vous regardez RTL. Qui était né un bon matin dans un berceau de bois dont, dont le père et la mère étaient étonnés de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Bécassine, c'est ma cousine. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais qui nous sommes en tout, on s'en en fait les quatre en fou. Bécassine, tu nous en fous. Et oui, ce sont les paroles de la chanson de Jean-Jacques Debout pour Chantal Goya. C'est bien Bécassine, et vous savez pourquoi je vous en parle, évidemment. Bah oui, parce qu'on va la ridiculiser une fois de plus. On va ridiculiser les Bretons. Alors les Bretons sont pas contents, parce qu'il y a un film qui sort. Oh, il y a de quoi. Ils ont pas d'autre chose à faire. C'est pas les Bretons, d'ailleurs. Les Bretons, je suis pas sûr, ils s'en fichent un peu, les Bretons. Non, mais c'est Denis Podalydès qui fait ce film, et c'est sûrement formidable. Mais oui, bien sûr, je vois pas pourquoi on va boycotter un film sur Bécassine en 2018. Enfin, écoutez. Bah, je vois pas pourquoi on fait un film sur Bécassine en 2018, d'ailleurs. Parce que c'est un personnage amusant. Oui, mais enfin, c'est plus il y avait déjà eu un film, d'ailleurs. Et c'est Paulette Dubost qui jouait Bécassine en 1940 dans le premier film tiré de la bande dessinée. C'était un humoriste ? Non, c'était pas un humoriste. C'était un monsieur très connu dans les médias qui avait écrit le scénario de Bécassine d'après la bande dessinée. Jean Noah. Bonne réponse de Florian Gazan. Peut-être qu'on pourrait demander à Ariel de chanter, de reprendre cette célèbre... Oui, mais elle n'a pas de bouche. J'ai pas de bouche. Et hélas, il vaut mieux à Florian parce que je ne la connais pas. Non, mais je ne l'ai jamais même entendue. Non, mais vous pouvez nous la chanter façon opéra, le refrain, vous voyez. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas. Passez au refrain. Non, parce qu'on connaît mieux le refrain. Il faut la gonfler un peu, la pubère. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, essayez, Christina, vous ça va être bien aussi. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine. Ta-ta-ta, Bécassine, c'est ma cousine. Mais mettez-lui une crêpe sur la gueule. Tu l'as très bien fait. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenait pas. Mais quoi, il parle de qui ? De voir cet enfant bien rose et dodu à la fois. Pénichou ! Avec un nez qu'on ne voyait pas. C'est de Bécassine ou de la Jésus qui parle ? Aussitôt, tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême. Oui, mais voilà, il fallait trouver un surnom. Elle n'en avait pas. Son papa, qui se trouvait là, a dit, puisqu'elle ira en classe, ici à clocher les bécasses, moi, j'ai trouvé comment il faudra l'appeler. Mais c'est la Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, c'est pas du texte, ça. C'est très beau. Je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer. Je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de... Tous ensemble. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine.